Ce mardi 11 mai dans C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine a fait un joli lapsus qui l'a mise très mal à l'aise alors qu'elle était en train d'introduire son invité du jour. Cette dernière n'était autre que Nathalie Riquiel, la fille de la styliste Sonia Riquiel disparue en 2016, venue faire la promotion de son livre Talisman à l'usage des mères et des filles. Ce soir dans C'est à vous la suite. L'ancienne directrice de la maison Riquiel devenue auteure depuis 10 ans déjà, avec un sujet de prédilection sa mère flamboyante et aimante a commencé l'animatrice avant de lancer Bonsoir Sonia Riquiel. Et de continuer, sans se rendre compte de sa gaffe, ravie de vous accueillir aux côtés de Tatiana Doronet. De quoi beaucoup amuser Nathalie Riquiel qui s'est permise de gentiment corriger la présentatrice, si est-il Nathalie, si est-il pas grave on me la fait souvent et si est-il très bien comme ça maintenant on est tous très détendus a-t-elle rétorqué tandis que l'écrivaine Tatiana Doronet, également présente sur le plateau, s'est adressée avec humour à Anne-Elisabeth Lemoine, ne m'appelez pas Joël Doronet, son père, note de la rédaction, s'il vous plaît. Confuse, celle qui se fait surnommer Babette ne savait plus où se mettre, elle s'est immédiatement excusée pour cette maladresse qui a bien fait rigoler ses collègues. Non mais là j'ai peur de dire des bêtises a plaisanté la journaliste avant de reprendre son sérieux. Anne-Elisabeth Lemoine la reine des lapsus? Décidément, Anne-Elisabeth Lemoine enchaîne les lapsus ces derniers temps. Le 6 mai dernier, si est-il face à Audrey Fleurot que l'animatrice a failli faire une erreur. Elle a voulu attribuer le succès de la série de TF1, puis à une autre chaîne. Au lieu de dire sur TF1, la femme de Philippe Coelho était bien partie pour dire quelque chose comme sur France 2 ou encore France 3, soit une chaîne du groupe France Télévisions, qui figure parmi les concurrents de la Une. Heureusement elle a réussi à se rattraper dans les temps, se préservant ainsi d'un nouveau moment de malaise.